So les amis, j'espère que tout le monde se porte super cool, super tout, super bien. Ok les amis, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager avec vous une nouvelle méthode pour gagner plus de 300 000 francs CFA sur Instagram. Une nouvelle méthode qui peut vous permettre à gagner plus de 300 000 francs CFA sur Instagram. Donc si tu es vraiment intéressé par cette vidéo et si tu n'as jamais gagné une grosse somme sur Instagram, tu dois savoir que tu es bien placé sur cette vidéo pour gagner tes premiers beaucoup d'argent sur Instagram. Ok, donc la famille, ici maintenant, je vais vous dire que avec FIFA 23, 3x3, vous pouvez gagner plus de 300 000 francs, c'est pas parce que moi j'ai déjà fait beaucoup d'argent avec FIFA 23, 3x3. Voilà pourquoi je continue toujours de tester des failles. Donc, si toi, tu te concentres sur une seule faille, donc tu dois s'arranger. Et en fait, on peut commencer par te suivre sur ton compte. Mais voilà pourquoi moi, je change les failles et je partage avec vous. Si je teste cette faille maintenant, 1, 2, 3. Je laisse la faille et je continue encore. Je vais chercher, je vais débrouiller pour chercher encore une autre faille. Est-ce que vous me comprenez plus? Parce que si vous vous concentrez sur une seule faille, comme vous prenez ça comme du travail, les amis, c'est vraiment, vraiment impossible à vous de gagner de l'argent. Parce que un moment à donner, on peut commencer par ce que vous. Bon, est-ce que vous me comprenez plus? Et c'est là où les amis, les abonnés commencent par m'écrire dans Inbox pour dire que ils ont donné parce qu'ils ont gagné. Bon, ils devaient gagner. Bon, c'est lorsque eux ils font leur mise qu'ils voient que les coupons sont perdus. Mais s'ils ne font pas des mises, les coupons sont validés, les amis. C'est parce que ils peuvent vous suivre déjà. Donc, si vous jouez, vous testez les failles. Je partage mes failles ici avec vous. Vous jouez ça 1, 2, 3 fois. Laissez ça. Ça peut faire encore 2 semaines ou de une semaine après, vous pouvez revenir sur cette même faille et le tester un peu. Si moi je partage ici avec vous beaucoup de failles, vous devez savoir que c'est comme ça que moi aussi je fais. Je ne me base, je ne me suis jamais basé sur une seule astuce ou une seule faille et j'ai utilisé ça pendant une semaine près, les amis. Non, ne faites pas ça. Même pour jouer au moins 3 fois par semaine, les amis, vous pouvez jouer ça le mardi et ça fait encore à mercredi et ça fait encore à vendredi, mais ça fait encore à jeudi avant de revenir jouer ça un peu. Et le dimanche, vous pouvez jouer ça encore. Et la semaine sur prochaine, vous pouvez aller sur ma chaîne et fouiller encore d'autres failles. Et si vous trouvez ça top, vous allez vous retrouver sur votre compte Instagram et vous allez recharger et vous allez commencer par vous gagner et commencer par faire de l'argent. Donc les amis, ici rapidement, ce que moi je vais partager avec vous, ici se trouve dans eSport FIFA 23 Conference League. Donc ici, sans plus tarder, je viens d'abord dans le menu. Voilà, une fois dans le menu ici, une fois dans le menu ici, les amis, vous allez chercher ici eSport ou un peu. Vous allez chercher eSport et directement vous cliquez sur eSport virtuel. Donc, si vous cliquez sur eSport virtuel, il y a beaucoup de jeux sur eSport virtuel. Donc, vous défilez, vous venez ici, voilà, vous allez cliquer sur le tout. Une fois cliqué sur tout ici, les amis, vous venez encore en bas ici. Voilà, ici FIFA 23. 3x3 conférence ligue. Voilà, vous cliquez un peu, fait 4 sur 24. Il y aura toujours des événements ici à jouer un peu. Il y aura toujours des événements ici pour vous à jouer. Et d'abord, pour tous les nouveaux ici qui me suivent actuellement sur ma chaîne, bienvenue à vous sur ma chaîne Jimmy NJG. Bienvenue à vous sur ma chaîne Jimmy NJG. Si tu t'es pas encore abonné, clique ici pour t'abonner à ma chaîne. Parce que ici sur cette chaîne, les amis, je partage des astuces, je donne des failles, je donne des pronostics du jour qui peut vous gagner, qui peut vous aider à gagner, à faire beaucoup d'argent chaque jour sur Instagram. Donc tu t'abonnes à ma chaîne et tu cliques sur la cloche de notification et tu actives la cloche de notification. Une fois que tu actives la cloche de notification, tu vas pas rater mes prochaines vidéos. Et 24 sur 24, même si je poste mes vidéos à 6h du matin, à 3h du matin, même à 1h du matin, tu retrouveras la notification de cette vidéo. Vous me comprenez bien? Ok. Donc ici, et je vais aussi vous demander le plus important ici pour tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Voilà, le plus important que je vais vous demander, c'est de me liker cette vidéo pour m'encourager de tout le travail que je fais. Une fois que tu vas tomber sur mes vidéos, essayez, prenez votre temps et likez-moi mes vidéos pour m'encourager, les amis. Encouragez-moi beaucoup de tout le travail que je fais ici, de tout le temps que je passe ici avec toi. Il faut essayer de me liker cette vidéo. Donc les amis, ici maintenant, je me retrouve
retourne sur mon compte et inspecte rapidement. Voilà, ici je me retourne sur mon compte et inspecte rapidement. Donc une fois cliqué sur FIFA 23, prof à 3 conférence ligue, qu'est-ce que vous faites? Vous allez rechercher maintenant un événement qui est en live ou un peu. Ok, bon, par exemple cet événement ici, ils ont déjà commencé et ils sont en train de jouer la première mi-temps ou un peu. Parce que c'est un jeu qui se joue 3 minutes à la première minute et 2 et 3 minutes encore à la deuxième mi-temps ou un peu. 3 minutes à la première mi-temps ou bien 3,5 ou un peu minutes à la première mi-temps et 3,5 encore 2 minutes à la deuxième mi-temps. Donc voilà, ici maintenant à la première mi-temps, ils ont déjà marqué 5 buts à la première mi-temps ou un peu. Ils ont déjà marqué 5 buts à la première mi-temps. On attend qu'ils marquent au moins 6 buts à la première mi-temps, 6 ou 7 buts à la première mi-temps, si vous me comprenez bien. Ok, voilà, ils ont déjà commencé. Ils vont commencer maintenant deuxième mi-temps ou un peu. Ils ont déjà même commencé deuxième mi-temps ici ou un peu. Donc là, vous devez abandonner cet événement ou un peu. Vous allez abandonner cet événement. Vous voyez, ils ont déjà commencé deuxième mi-temps et c'est à la deuxième mi-temps maintenant qu'ils ont marqué la quatrième but. Si vous voyez ça, ce genre d'événement là, ne pas les amis. Si vous voyez ce genre d'événement, ne les prenez pas. Ce que je vais vous dire, pourquoi moi j'avais dit de sélectionner un événement qui est en live. Si je vous demande de sélectionner un événement en live, c'est parce que à la première mi-temps, avant la deuxième mi-temps, il faut d'abord analyser qu'ils ont marqué au moins 7 buts à la première mi-temps, 7 ou bien et 7 ou bien 6 buts à la première mi-temps. Les amis, est-ce que vous me comprenez un peu? Une fois que vous avez constaté qu'ils ont marqué au moins 6 buts et 6 ou 7 buts à la première mi-temps, avant la troisième minute, est-ce que vous me comprenez un peu? Parce que le jeu se joue 3 minutes à la première mi-temps et 3 minutes à la deuxième mi-temps. Vous voyez, ça va être un jeu de 6 minutes, vous voyez, au total. Donc 6 minutes au total qui jouent dans l'événement, vous voyez un peu. Donc si vous prenez l'événement et avant la troisième minute à la première mi-temps, les amis, je dis bien avant la troisième minute à la première mi-temps, vous venez simplement, vous venez directement ici total, ou un peu. Donc si il marque 7 buts ou bien 6 buts avant la troisième minute à la première mi-temps, vous venez directement cliquer sur total. Et une fois cliqué sur total ici directement à la première place ici, en haut, si vous voyez qu'ils ont affiché ici total plus de 16,5, vous prenez. Si ils vous ont affiché ici total plus de 17,5, vous prenez en compte. J'espère que vous me comprenez. Donc voilà, je quitte cet événement-là. Je vais chercher si je vais retrouver un événement, un autre événement qui est en live. Voilà, ceci-là va bientôt commencer. Ouais, mais dans 2 secondes maintenant, dans 2 minutes maintenant, ils vont commencer cet événement-là. Vous me comprenez un peu. Ok, donc on attend. On attend pour voir s'ils vont commencer l'événement. Donc, s'ils commencent l'événement, les amis, j'ai bien dit quoi? J'ai dit, si vous sélectionnez les événements et ils commencent la première minute, s'ils commencent la première mi-temps, les amis, s'ils commencent la première mi-temps, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez qu'ils marquent au moins 6 buts avant la troisième minute à la première mi-temps. Parce qu'ils jouent 3 minutes à la première mi-temps et 3 minutes à la deuxième mi-temps. Vous comprenez un peu? Donc, une fois que vous allez voir, vous allez constater qu'ils ont marqué, ils ont déjà marqué quelque chose de 6 minutes ou bien de 7 minutes à la première mi-temps avant 3e minute, les amis. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez directement total. Voilà. Vous cliquez sur total et vous prenez première option qui va s'afficher en haut ici. Là. Total plus de 17,5 ou bien total plus de 16,5. C'est ça qui va vous afficher en haut ici. Donc vous prenez vous un peu, même si vous voyez qu'ils ne vous ont pas affiché total plus de 17 ou bien total plus de 16, si vous voyez qu'ils vous ont affiché total plus de 15 ou bien 14, prenez. Mais les amis, si vous ont affiché total plus de 18, ne prenez pas. Impossible. Ou un peu, ne prenez pas. Est-ce que vous me comprenez un peu? Je ne veux pas faire trop durer la vidéo. Ou un peu, je ne veux pas faire trop durer la vidéo. Mais si vous me comprenez correctement ce que je viens d'expliquer ici maintenant, vous allez pratiquer ça. Ou un peu. Donc, on attend qu'il commence l'événement. Ou un peu. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent créer un nouveau compte en 2024, voici le code promo que je peux vous demander d'utiliser pour obtenir vos bonus de 200%. Donc, si tu es dit et tu n'as jamais gagné bonus de 200% sur tes comptes créés déjà, donc je vais te demander d'utiliser le code promo 24 Esports pour toucher tes
premier bonus de 200% et les remboursements de 25% chaque mardi et chaque vendredi. Est-ce que vous comprenez un peu? Et si vous voulez aussi nous rejoindre, parce que sur le canal Telegram, je partage des jeux de FIFA, les jeux de e-sport, les jeux de FIFA gratuitement, je les partage sur mon canal Telegram, même les jeux en live ou un peu. Donc si vous voulez gagner mes coupons en live, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur le plus. Directement, vous allez chercher afficher plus ici et vous venez ici. Voici le lien de notre Telegram ou un peu. Voici le lien de notre canal Telegram ici ou un peu. Ok, donc si vous voulez télécharger votre application Bitunion ou bien 888 Star, voilà ici le lien ici que vous allez sélectionner pour que vous allez cliquer dessus pour télécharger les applications et faire votre inscription sur cette deux sites du pari sportif et utiliser le même code promo 24 pour les amis. Le plus important, je continue toujours de vous demander de me liker mes vidéos pour m'encourager de tout le travail que je fais ici. Ok, donc la team des amis, on attend dans 27 secondes maintenant, ils vont commencer cet événement là. Ok, bon les amis, voilà, ici maintenant ils ont déjà commencé première minute, tu vois un peu, ils ont déjà commencé ici maintenant première minute. Donc voilà, vous voyez un peu, comme ils ont déjà commencé première minute ici, on attend, excusez-moi, d'abord on attend qu'ils marquent au moins 6 ou 7 buts avant la troisième minute du premier mi-temps, ou un peu. Ils ont déjà marqué un but sur le terrain. Donc voilà, je quitte. Je reviens encore sur le match pour voir. Ok, pour que le son ne nous dérange pas, je viens. Ok, voilà. Donc, nous attendons pour voir s'ils vont marquer. Ok, ils ont déjà marqué deux buts déjà à la première mi-temps. Voilà, ils ont déjà marqué deux buts à la première mi-temps. Oh, ils sont toujours à 38e seconde. Ou un peu 38e seconde. Voilà. Donc, ils ont déjà marqué deux buts. Donc, si on a la chance et ils marquent au moins ici maintenant 6 buts à la troisième minute. Ou bien ils ont marqué 7 buts à la troisième minute. Maintenant, directement, on vient ici. On vient directement sur le total. Et on va sélectionner la première option. Voilà, ici comme vous voyez, ils ont déjà marqué troisième but. Ils ont déjà marqué troisième but avant la première minute du premier mi-temps. Voilà, donc on continue tout de suite le match. On continue tout de suite l'événement avec vous. Vous devez constater que à chaque fois que je rentre dedans comme ça, je retourne. Pourquoi? Parce que dans la zone que je suis actuellement, le réseau est un peu lent ou un peu. La connexion ne marche pas correctement. Voilà, donc si vous voyez que la connexion ne marche pas de votre côté aussi, essayez de faire la même chose pour un peu. Mais si la connexion marche correctement, vous pouvez vous concentrer directement sur l'événement et regarder les matchs en live ou un peu. Parce que c'est un jeu qui se joue en live ou un peu. Donc voilà, ils ont déjà marqué 4 buts. Voilà, 5e but est déjà passé. Ok, donc les amis, je vais tracer maintenant mon coupon et vous allez voir. Ils ont déjà marqué 5e but avant la troisième minute du premier mi-temps. Donc on vient sur total pour voir ce que nous ont affiché ici. Voilà, total plus de 16.5. Ouais, un peu ici maintenant, total plus de 7.5. Moi j'attends d'abord qu'ils marquent la sixième but. Voilà, ils ont déjà marqué la sixième but ici. La sixième but est déjà marqué si vous voyez correctement. Voilà, la sixième but est déjà marqué sur le terrain. Donc voilà, moi qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens sur total et je prends. Oh, la côte ici c'est trop petit, c'est trop petit, c'est un point. Ok, c'est remonté, donc moi je prends ça et vous placez votre mise. Voilà. Ok. Les amis, ce que je viens de faire ici maintenant, c'est risqué. Voilà pourquoi j'ai caché OMB. Voilà pourquoi j'ai caché, parce qu'il est impossible de faire des mises en direct OMB. Ok. Donc, ici maintenant, ils ont déjà marqué combien de buts? Ils ont déjà marqué 7 buts à la première mi-temps. Ils ont déjà marqué 7 buts à la première minute avant la troisième minute du premier mi-temps ou un peu. Ok, donc ici maintenant, notre coupon va passer facilement. Est-ce que vous me comprenez un peu? Notre coupon va passer ici très, très, très facilement. Ou un peu, ils ont encore affiché ici. Total plus de 17.5. Comme ils ont touché à la deuxième minute du premier mi-temps, je peux encore prendre ici total plus de 17.5 et je place encore. Ok, c'est accepté. Je peux aussi essayer encore, hein, les amis, si ils acceptent.
Ok, c'est accepté. Donc, je viens dans mon story ici. Comme vous voyez, voici, j'ai au moins 3 coupons ici en live. J'ai au moins 3 coupons ici en live maintenant, comme vous voyez ici. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On attend que l'événement termine et je vous présente les résultats. Voilà, donc comme vous le voyez, actuellement à la première mi-temps, ils ont déjà marqué quelque chose de combien de buts? 8 buts. les amis, vous voyez ça, le coupon va passer maintenant très très rapidement. Ou un peu, ils ont déjà marqué 9 buts. Or, on avait pris avant total plus de 17 et total plus de 16. Ou un peu, total plus de 7.5. Donc, s'ils marquent 17, donc notre premier coupon est validé. Et s'ils marquent 18 buts, si notre deuxième coupon aussi est validé. Donc, on attend toujours les résultats. Donc, 10 buts sur le terrain. On attend qu'il marque maintenant combien de buts encore. Il marque 8 buts sur le terrain. Parce qu'on veut 18 buts au total. Parce qu'on a pris le total plus de 17.5. Donc, on attend que les joueurs marquent au moins quelque chose de 18 buts sur le terrain avant que le coupon sera validé. Donc, comme vous le voyez, toujours à la première mi-temps, avant la troisième minute de première mi-temps, ils ont déjà marqué quelque chose de 9 et de 11 buts sur le terrain. Donc, on attend maintenant que 7 buts, les amis. On attend maintenant que 7 buts sur le terrain et notre coupon sera validé. Donc, likez-moi cette vidéo si vous avez aimé la vidéo. Essayez de liker la vidéo pour gagner tes premiers beaucoup d'argent sur Inspect. Likez-moi mes vidéos et j'espère que vous avez bien regardé comment j'ai fait pour placer les coupons ici. Vous voyez, ils ont déjà marqué quelque chose de 11 buts sur le terrain. Donc, ça reste encore 7 buts maintenant qu'il doit marquer à la deuxième mi-temps. Et notre coupon va passer facilement un peu. Donc, ils vont commencer, ils sont à la pause. Ils sont toujours à la pause. Donc, ils vont commencer. Voilà. Deuxième minute a déjà commencé. Donc, comme vous le voyez ici, ils ont déjà marqué 12e but. Donc, je mets la vidéo en pause. Regardez correctement les deux équipes. Fiorentina contre FC Cologne. Donc, je viens dans mon historique ici. Je vais mettre la vidéo en pause parce que la vidéo est déjà trop longue. Donc, je mets la vidéo en pause. Donc, je viens ici d'abord. Je viens sur le coupon pour voir les résultats actuels. Voilà, toujours 12 buts sur le terrain. Toujours 12 buts sur le terrain. Et les amis, je vais vous expliquer un truc. Voilà pourquoi j'ai relancé encore la vidéo. Sinon, je voulais attendre jusqu'à ce que l'événement va. Les matchs vont terminer avant de vous montrer les coupons. Mais ici, je vais vous expliquer un truc. Donc, si toi, tu sais très bien que tu fais des mises de 100 francs ou bien les mises de 200 ou bien les mises de 500 francs, tu ne peux jamais t'en sortir. Par exemple, ici, avec 90 000 francs, vous êtes déjà à 126 000 francs. Et ici, avec 90 000 francs, 117, ici, 90 000 francs, 107 000 francs. Donc, si je calcule tout ici, je suis déjà à quelque chose de 300 et 4 000 francs CFA ou un peu. Ok, donc, je viens ici. On vient dans le menu pour voir s'ils ont déjà marqué notre but. Jusqu'à présent, pas encore. Ok, voilà. Ils ont déjà marqué combien de buts sur le terrain? 12, 13, 14 buts déjà sur le terrain. Ouais, 14 buts déjà sur le terrain. Et je vais voir, ils ont proposé combien de total ici. Actuellement, total plus de 18.5. Parce que le coupon est déjà passé, les amis. Vous voyez? Pour le coupon, notre coupon est déjà passé ici. Donc, on attend. Voilà, 8-7, voilà, 8-7 sur le terrain déjà. 8-7 sur le terrain. Donc, le coupon ici va valider. Ne vous inquiétez même pas. Amis, est-ce que vous êtes là? Donc, on vient, on va voir les résultats actuellement. Voilà, je vais voir les résultats qui sont actuellement. Voilà, mais le coupon, on va les valider. On va valider le coupon ici rapidement. On va valider ça parce que je suis, il me semble, ils ont déjà marqué 15 buts sur le terrain. N'est-ce pas? 15 buts. Voilà. Je vais voir total ici. Ok, donc on a déjà validé un coupon ici déjà. Coupon déjà rentré. Cette coupon là, ceci là, c'est déjà rentré. 7, 9. Voilà, 7, 9. Voilà. On est déjà marqué 16 buts sur le terrain. On attend le 17e but. On attend ici maintenant que le 17e but pour valider notre premier coupon.
bien, tu as vu ça. Ok, ce coupon-là est rentré actuellement. On vient de valider déjà un coupon. Ok, donc les amis, comme vous voyez, le temps passe vite, le temps passe donc on dit à la prochaine. Dans notre prochaine vidéo, je vais vous présenter les résultats de notre tout dernier coupon, les deux derniers coupons là-dedans. On dit à bientôt et à la prochaine. Ciao.